Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel. Aujourd'hui, je suis sur 60 secondes Reatomized. Ce n'est pas 60 secondes, ce n'est pas une mise à jour de 60 secondes. C'est un nouveau jeu qui s'appelle donc 60 secondes Reatomized. Et il faut savoir une chose, c'est que vous recevrez ce jeu gratuitement si vous possédez déjà le jeu 60 secondes sur Steam. Donc je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de personnes qui ont ce jeu. Donc ça sera une super surprise pour vous de savoir que vous l'aurez. Moi, on m'a donné une clé en avance pour que je puisse tester le jeu en avant, sachant qu'il sort le 25 juillet pour donc tout le monde. Et ouh, un Necro 13 qui vient de passer. Et je vais aujourd'hui découvrir le jeu avec vous, voir ce qu'il en est. En tout cas, qu'est-ce qu'ils nous ont vendu? Ils nous disent qu'il y a des nouveaux graphismes, il y a des nouveaux événements, des nouvelles façons de finir le jeu. Donc ils disent metagame, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être des façons complètement détournées de finir le jeu. Il y a des nouveaux challenges, il y a des nouveaux visuels à débloquer dans le jeu. Donc je suis très curieux. Oh, on entend un petit avion qui passe. Ah, et il y a plein d'autres choses à voir. Et regardez, on voit déjà... Oh, ah, bonjour. Bonjour Ted. Bonjour Dolores. Ah, c'est rigolo. C'est quoi ça? Ça, c'est pour quitter, on va pas quitter. Ah ouais. Souvenir. Crédit, option. Très bien. Ah, c'est rigolo. Alors, on va y avoir... Choisissez votre aventure atomique. Donc ça, c'est l'entraînement. Le tutoriel, bon, ça, je vais peut-être pas le refaire. Le mode défi, le mode collecte. Alors ça, c'est juste si vous voulez faire que de la collecte. Ça, si vous voulez juste faire de la survie, ça, c'est les deux. On va y avoir le mode défi. Ah, il y a des nouveaux modes. Ça n'existait pas. Avant, il y avait que le mode collecte. Ah, Beren, année du chien. Ah ouais, ouais, ok. Bon, bah alors ça, c'est exactement les mêmes défis qu'il y avait dans le jeu d'avant. Hiver nucléaire, quand scout de Timmy par exemple. Ah ouais, c'est ça. Donc vous voyez, en fait, c'est un défi où il faut récupérer les objets. Et ensuite, on a des chapeaux pour nos personnages. Très bien, voyons la suite. Et survie. Ouh, génial. Choisissez votre prochain défi. Oh, qu'est-ce que c'est? Seul Dolores a survécu. Attendez. Oh, skin birded collie pour pancake. Oh, c'est génial. Il faut que je survive 50 jours, que je ne perde pas le chien. Mais les expéditions sont désactivées. Et si j'y arrive, je gagnerai un skin pour pancake. Mais c'est génial. Ah, skin soviet pour les objets et tout, si je fais ça. Ah, c'est trop cool. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais faire une vidéo sur départ en responsable, une vidéo sur sélection naturelle, une sur sa femme et son chien, une sur le compte à rebours final, une sur parole de scout. Eh, ça fait donc plein de vidéos à venir sur 60 secondes. Reatomized, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas louper ça et la petite cloche, ding 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 ding. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'avais pas du tout prévu de faire des défis. Donc moi je vous propose... Oh, c'est rigolo. Ah ouais, ça a complètement changé. Effectivement, du coup, je me dis, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une partie normale, en mode comme ça. Et puis, juste voir un peu les nouveautés qu'il y a dans le jeu. Et puis après, je ferai des vidéos pour les défis et voir ce qu'il y en a. Alors Ted... Dolores, on va se mettre en mode facile. Voilà, ça dure 20 secondes l'exploration, temps de collecte. On va se mettre en mode facile pour découvrir le jeu. Et après, bien évidemment, vous savez que j'ai déjà gagné le jeu plusieurs fois en Tsar Bomba. Mais moi, j'aime bien d'abord découvrir et ensuite, on se met à fond. Parfait. Bon, et j'espère que vous êtes autant impatient et impatiente que moi. Moi, je trouve ça une bonne surprise. C'était pas du tout attendu. Hein. Ça fait 10 jours qu'ils avaient annoncé ça. Et nous, on est en mode à pont. Mais qu'est-ce que... Oh là là, Marie Jane, où est-ce que t'es? Ah, t'es là! Oh, tiens, je te prends. Ah, je peux pas la prendre avant. Bon, je vais fouiller un petit peu. Oui, Timmy. Ok. Du coup, le son est un peu fort. Par contre, c'est bizarre, la jouabilité est pas du tout la même. J'ai vraiment la sensation que c'est pas tout à fait pareil. Ils ont un petit peu changé. Alors, je ne sais pas du tout si le jeu va sortir sur mobile. Allez, je vais prendre mon Timmy pour changer. Oh là, ah ouais, c'est vraiment... C'est pas tout à fait pareil, la jouabilité. Je trouve que le personnage glisse un peu sur les côtés. C'est un peu bizarre. Oula, je me suis foiré. Oh là, Ted, mon chéri, viens par là, mon chéri. Oula, on va... Nope. Oh là là, elle est pas contente. Je suis coincé. Ah, voilà, parfait. Non. Ah oui, ça réagit pas pareil. Disons, même pour tourner, c'est un peu plus compliqué. Alors, attends, on va prendre les kits de soins parce que les skis... Ah, mais je suis coincé. C'est un peu bizarre. Attendez. Voilà, prends ça. Prends de l'eau. Il me faudrait juste la radio, je serais refait. La radio, où est-ce qu'elle peut bien être? Non, mais c'est pas grave, on va prendre de la soupe et de l'eau, parce que s'il n'y a pas de soupe, il n'y a pas d'eau, on meurt, hein, évidemment. Oh là là, allez, on y va. J'ai perdu beaucoup de temps à me co... Non, mais... Bon, tant pis, pas de radio. Qui dit pas de radio dit pas de militaire. Je prends une hache quand même pour me protéger. J'ai été mauvais, hein. J'ai été sacrément mauvais, hein, j'aurais pas cru.
Que ça soit aussi compliqué. Hein. Ils ont un peu changé le... La jouabilité, c'est très légèrement différent. Et évidemment, bah, ça met un peu plus de challenge. Mais on va apprendre les choses. Ah, un petit freeze. Oh, il y a des nouveaux bruitages. Vous entendez? C'est la ventilation qui fait du bruit. Ah, mais j'ai de la chance. 6-5. Bon, j'ai pas la... Oh là là, je suis un peu... J'ai été meilleur que ça. Mais vous avez vu, j'ai quand même resté bloqué un petit peu par moment. Bon, eh ben, on va pouvoir jouer. C'est pas mal. Parfait. Mary Jane, Ted, Timmy. Allez, c'est parti. Oh, d'accord, c'est complètement nouveau ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est rigolo, les nouveaux onglets, comme ça on peut revenir plus facilement. Ah, trop bien. Ah non, d'accord, c'est pas disponible. Donc, on a tous réussi à atteindre la vrille, c'était moi une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a attendu que la soupe en boîte était la clé à la survie. Donc, j'ai récupéré ces objets en plus cadeau. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous ensorcier pour le moment. Donc, peut-être qu'ils ont changé la règle des 5 jours et tout. Alors, à surveiller. Comment je fais d'ailleurs? Ah, regardez, c'est rigolo. Alors, attendez, je vérifie. Non, c'est bon. Ils ont pas faim. Ah, peut-être que maintenant, chaque personnage a des caractéristiques différentes qui font qu'ils vont pas avoir faim et soif en même temps. Ah, un peu comme dans 60 parsecs, vous savez. Au fait, j'ai fait 70 vidéos sur 60 secondes, donc n'hésitez pas à aller regarder toutes mes autres vidéos. Vous trouverez le lien dans la description. Et puis, voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a pas soif, il a pas faim, ils ont pas faim, ils ont pas soif. Très bien. Notre dispute a pris fin pourvu que ça dure. Ok. Les rations, ça va, il n'y a pas besoin. Allez, on va préparer une expédition. Juste pour voir un peu les nouveautés qu'il y a. Et c'est... Oh, c'est l'anniversaire de Mary-Jane. C'est ce que je vous avais dit. Mary-Jane est née en juillet. En juin ou juillet 1950. Voilà. Et j'avais mis ça dans ma vidéo précédente. Alors, il va falloir improviser pour le gâteau, le cadeau. Ok, parfait. Et ben, on continue d'avancer. Je suis très curieux de savoir les nouveaux skins, mais je ferai des nouvelles vidéos dessus et tout. Alors, on vérifie. Ah, soif, soif, soif et soif. Non, bah c'est bon. Ça n'a pas changé pour l'instant. Ah, regardez. Ah, ils ont mis un point d'exclamation pour dire qu'il y avait des trucs à faire. On va envoyer Timmy. Allez, pour une chance, pour une fois, on va lui donner sa chance. Assez d'être assis ici. Il est grand temps de sortir de ce trou et de partir à la recherche de ressources. Peut-être que d'autres ont survécu à la catastrophe. Nous allons découvrir bien assez vite. Trop cool. C'est rigolo qu'on entende la ventilation et tout. Je me demande s'il y aura d'autres bruitages. Déshydratation, déshydratation, déshydratation. Donc normalement, je peux encore survivre sans leur donner à boire. Ok. Ah! Hier, pendant la session des rébus, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement, ce qui a profondément déçu Dolores. Elle insiste donc pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. C'est complètement nouveau! Oui. Ah, j'aime bien, il nous précise. Non. Oui. Au cas où vous auriez un petit doute, hein. Voilà. C'est rigolo. Ah, j'aime bien. Ah, j'ai un succès déverrouillé, jour 5. Oh, franchement, comment faire pour mourir avant le jour 5? Ah, on frappe à la porte. Déshydratation, fatigue. Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques suivie de travaux pratiques de chimie en se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. Ok, on va donner à boire à tout le monde. On va tester le coup de donner à manger tous les 7 jours. Hein. Quand on est dans un labyrinthe atomique, il y a une chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est entendre le bruit d'une trompette. Ce joueur de trompette était loin d'être professionnel et n'avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de l'abri, nous ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons pour qu'ils puissent voler aux riches hein, pour donner aux pauvres. Hein. En vrai, je suis un peu pauvre, hein, donc je pourrais faire, c'est tenter d'ouvrir la porte. Et avec un peu de chance, ils nous donneront des trucs. Allez, on croise les doigts. On teste. Voyons voir. Ah! On m'a volé la hache, je crois. J'aurais peut-être pas dû. Ah! N'étaient pas très aimables, ils ont dit qu'ils étaient riches et qu'ils venaient prélever une taxe pour tous les survivants. Ah bah voilà, je pensais qu'ils me donneraient des trucs. Et bah c'est complètement raté, je me suis fait complètement avoir. Bon, et bah écoutez, ce n'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas la radio. Oh, Mary-Jane, les cheveux! Regardez, j'avais pas vu! Oh, regardez, c'est rigolo! Ça aussi, ça a changé. Oh, pauvre Ted! Oh, pauvre Ted. Bon, allez, on va donner à manger à tout le monde, pour le coup. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette nouveauté? Oh, zut. Bah, zut, je me suis fait voler l'insecticide. Ah, oh, bah, bravo, super. J'aurais jamais dû leur ouvrir, mais bon, moi, je voulais voir s'il y avait des nouveautés. Bon, et Timmy, par contre... Oh, mince. Oh, mince. Oh, la coupe de cheveux. Oh, la vache, tout le monde est malade.
Bon ben, adieu les amis, hein, c'est le début de la fin. On va soigner ma petite Dolo. Bah là, j'avoue, c'est un peu la cata. Je ne sais pas. Dans l'espace, il serait difficile de ne pas sentir certaines odeurs quand une brique est tombée du mur. Est-ce qu'on va les regarder? Allez, on va regarder l'odeur. Et là, ils vont tous retomber malades, ça va être la cata. Allez, dis-moi que tu me ramènes le kit de soins, Timmy, s'il te plaît. Ah, la toux sur la tête, c'est trop rigolo. Ah, c'est marrant ça qu'ils aient fait ça. Ah, Timmy m'a ramené le. Ça là, pour refaire le kit médical. Ah, il m'a ramené la carte. Génial. Alors, il m'a ramené le masque. Ok. Oh, trop bien. Eh ben, vous savez quoi? Mon petit Timmy, je vais te donner à manger parce qu'il a pas soif. Et. Bah. Tout le monde est fatigué, donc je peux pas faire d'expédition. Ah, c'est rigolo, du coup, on n'a pas besoin de prévoir les expéditions, c'est rigolo. S'il y a quelqu'un qui nous manque, c'est notre... Ouais, bah alors là, franchement, je crois que ça va être la pire partie de toute ma vie pour une partie découverte. Oh là là, ne tombez pas malade, s'il vous plaît. Ne vous contaminez pas les uns les autres, merci. Bon, Timmy, on va leur donner à boire à tout le monde. On va préparer une expédition au cas où Timmy se défatigue. Parfait, en plus c'est le meilleur objet pour cet événement, donc... Oh là là, mais Ted, arrête, tu dégoûtes là! Franchement, oh! Ça y est, elle est reposée, j'aime bien ta coupe de cheveux, comme ça te va bien. Eh bah écoutez, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Dolores dehors. Voilà, avec le masque. Donner à boire et à manger, non, bah non, désolé, on va rien faire. Eh bah c'est parti. Bon, eh bien écoutez, je reviens vers vous dès qu'il y a du nouveau. Ou quand Dolores revient. Voilà, allez, à tout de suite. Ah, le téléphone qui sonne, c'est les jumeaux. Bon, bah alors, je reviens vers vous tout de suite, voyons voir. Allez, on va donner à manger à tout le monde. On s'imagine... Ah, c'est quoi ça? Ah! Obtenir une radio pour établir un contact avec l'armée, établir un contact avec d'autres survivants. Ah, trop bien. Eh ben, on va envoyer Marie-Jane. C'est trop drôle! Ah ouais, c'est marrant ça! Du coup, c'est les objectifs et tout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est les jumeaux, on est d'accord. Sauf que là, ils vont décéder, les pauvres. Déjà, en mode facile, j'ai fait n'importe quoi. Quand on l'a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Voilà, c'est bien les jumeaux. Il faut boire tout le monde. Ah! On va se défendre contre le rat, hein, parce que quand même. Ah, trop bien. Attendez les prochaines instructions. Ah, c'est cool ça. Du coup, maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Et bon, bah, je sais ce que je dois faire, mais je n'ai pas les objets. Donc, j'attends juste que Dolores revienne. Et puis, on verra. Oh! On verra ce qu'on fait. À tout de suite. Ah, Dolores revient. Bon, c'est un peu la cata. Regardez. Il est tombé malade lui aussi. Du coup, elle m'a ramené plein d'eau. Bah là, du coup, Dolores, ça sera la seule survivante, comme d'habitude. On est en mode facile et je n'y arrive pas du tout. Alors, quand quelqu'un revient d'expédition, je lui donne toujours à manger. À la limite, ce que je peux faire, c'est préparer une expé et puis je vais quand même envoyer Mary-Jane. Allez, on va regarder. En expédition, on sait jamais, elle va peut-être survivre. C'est ma chérie, mais quand même. Ah, la touffe de cheveux! C'est n'importe quoi! Oh purée, oh purée, on n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé. Bon allez, allez ma petite Mary Jane, ah tu pars en XP avec la carte, s'il te plaît, comme ça tu reviens beaucoup plus vite. De toute façon, comme t'es malade, peu importe le masque. J'arrive jour 20 quand même, c'est pas mal. Timmy? Timmy? La faim a fait perdre la raison à Timmy, mais je lui ai donné à manger. Ah non, j'ai oublié? Bah non. Vous allez dire que je le fais exprès, mais là, franchement, j'ai pas fait exprès. Hein. Dolores n'a pas mangé. Ben. On va leur donner à manger à tous les deux, parce que là, je crois que j'ai fait n'importe quoi. J'ai sacrifié mes deux enfants, c'est la cata. Eh ben, désolé. Eh ben, écoutez, on se retrouve dès que Mary-Jane revient. Hein. Mais non! avec sa touffe de cheveux, c'est trop rigolo. Mon dieu, mais j'ai... Ok, d'accord. Au moins, ça me dit qu'il est mort. C'est très bien. Bah oui, mais il était malade, forcément. Tant de jours sans être guéri. Du coup, Mary-Jane va décéder. Aujourd'hui, on a trouvé une lettre anonyme. L'auteur lance un appel. Plusieurs survivants sont en manque de ressources et nous demandent de les aider. Ils nous assurent qu'ils ne regretteront pas et que plusieurs personnes seront extrêmement reconnaissantes. Bah oui, pourquoi pas, hein. Moi je donne, hein. De toute façon j'ai tellement de soupe que là je suis toute seule dans ma maison. Et Maridia ne reviendra jamais, je pense. C'est terminé. Hein. Ou alors elle revient mutante et la vie est belle, mais là.
La cata. On est arrivé à l'endroit indiqué, on a rencontré les auteurs de cette lettre. Ah, c'est les jumeaux, c'est les... D'accord, j'avais complètement oublié qu'ils demandaient ça aussi. Ok. Bon, bah... Ah, le chat. Bon, bah, très bien. Au moins, comme ça, j'ai Charikov. Je suis tout... Miaou. Au moins, je me sens pas seul. J'ai perdu toute ma famille. Et elle va devenir complètement folle. Ah, je vais peut-être avoir la fin de la vieille dame au chat, qui sait. Ah, bah, j'ai pas du tout les objets qu'il me faut. Bon, bah, écoutez... On se retrouve... dès que... C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fin du jeu? Une femme armée et chasseuse de profession des araignées mutantes dans l'autre voisinage? Nous ne voulons rien entendre de tout cela. Adieu, madame. Mais... J'ai vraiment oublié de lui donner à boire? Mais on était jour 20. Je comprends pas, je l'ai donné à boire. Mais c'est trop bizarre, non? Je comprends pas trop ce qui se passe. Attendez, mais alors... Bah, Dolores est mort de déshydratation hier soir, mais je lui ai donné à boire. Oh, j'ai bien cliqué, on est d'accord. Trop bizarre. Bon, bah écoutez... Oh là, le jeu qui m'agresse en mode... tu l'as pas survécu, merci. Bon, bah écoutez, terminons l'aventure. Je vais quand même regarder la vidéo, mais j'ai un doute. Je suis persuadé d'avoir donné à boire et à manger. Bon, bah voilà. Bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Stay tuned pour voir les nouveaux défis, du coup, qu'on aura la prochaine fois. Les nouveaux défis, pardon, dans là. Pour voir tout ce qu'il faut faire pour récupérer les skins d'objets. Et puis, voyons voir un peu, c'est quoi là les succès? Ah, c'est joli, d'accord. Ah, c'est quoi ça? Survivez à l'explosion nucléaire dans la peau de Dolores. Mourez dans l'abri. Ah bah oui, voilà, c'est ce qui m'était arrivé. Je comprends pas trop, mais bon. C'est joli, hein, c'est très joli. Bah voilà, et bah écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Et puis, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner. Voilà, allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Peace out.